Bonjour à tous et bienvenue pour la suite d'aventure sur The Last of Us 2, nous sommes avec Abby et maintenant on n'a plus qu'à suivre le soleil pour retrouver notre amoureux, Owen. Et oui, il y a un lien vraiment entre les deux, hein. Abby, elle est un peu coincée à cause de sa vengeance, hein. Elle est vraiment focus sur Joël, mais on a eu droit à un petit bisou. C'est pas aller plus loin, franchement j'ai trouvé mignon, c'est dommage, hein. Ah, c'est vraiment dommage qu'elle pense qu'à ça, hein. En même temps, tu peux comprendre, hein. Et finalement, justement, on arrive à se mettre à la place des deux camps. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans le jeu. Et c'est bien ça qu'ils veulent nous démontrer. Ils veulent nous faire douter. Super. Super, ça tire. Alors, Musclor, on va continuer et on va fouiller vraiment de partout, hein. Voyons voir. Oh. C'est quoi cette odeur? Dis-moi pas qu'il y a des puants. Oh non, hein. J'allume la lampe torche. Oh, yes, un manuel. On va débloquer une nouvelle catégorie. Urban Warrior. Guerrier urbain. Entraînement au combat rapproché pour les civils. Intéressant, ça. Nouvelle branche d'amélioration, combat rapproché. Ok, ça me va. Donc là, mine de rien, j'ai l'impression qu'on est parti pour une longue session avec Abby. Hein. C'est cool. On ne contrôle vraiment pas que Ellie dans le jeu. Alors, élan. Après avoir tué un ennemi d'une attaque éclair, votre prochaine attaque au corps à corps sera également une attaque éclair. Oh, cette attaque éclair inflige de lourds dégâts de corps à corps aux ennemis, étourdis ou pris par surprise. J'aime bien. Par contre, il nous manque encore quelques médocs pour pouvoir améliorer ça. Là, il y a une note avec le monsieur. Alors, mes amis, pardonnez-moi, je n'ai pas été à la hauteur. J'essayais d'échapper à une escouade de wolves et je me suis heurté à un groupe de démons. Ils m'ont pris par surprise. Par la grâce de la prophétesse, je mourrai avant que la corruption ne s'installe et que je perde le contrôle de mes sens. Aujourd'hui, plus que jamais, je vois la justesse de notre voie et la perversion des wolves. Je meurs satisfait d'avoir participé à la purification de notre espèce et de notre monde. Si vous me trouvez, brûlez mon corps et accompagnez mon départ de ces paroles. Henri. Ouais, mais non. Tu vas pourrir ici. Eh, forcément, hein. C'est le camp adverse. Elle est dure, quand même. Ah ouais. Alors, elle a une faiblesse. Elle a peur du vide. Elle a le vertige, mais sincèrement, c'est une guerrière. Oh, la vache. Pas de matos? Non. Pas du tout. Allez. Pour le coup, c'est assez linéaire. Ça va être dur de se perdre, et donc tant mieux, parce que je n'ai pas un sens. Ça tire encore. Je n'ai pas vraiment un GPS intégré, disons. Mon sens de l'orientation laisse à désirer. Ah, je parie que c'est bloqué. Bien sûr, quand tu vois des feuilles, c'est que c'est bloqué. C'est tu peux pas y aller. Il va falloir que je passe par-dessus. Une bouteille, c'est bon, il me semble que j'ai déjà une brique. Hein. Ouais, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se craft un truc? Non, là il manque des liens pour améliorer mon arme de corps à corps et là il manque du tissu pour me faire un silencieux. Mine de rien, alors les silencieux c'est pratique, hein. Mais bon dieu, bon dieu, bon dieu. Ah d'accord, c'est par là. Mais bon dieu, bon dieu, bon dieu. Qu'est-ce que ça consomme des ressources? Ah ouais. Là j'ai monté sur les véhicules alors que je savais même pas que c'était là qu'il fallait venir. Oh, cool. Dakota du Nord. Alors les pièces, hein, même principe que les cartes à collectionner de Ellie, hein. Ça sert à rien. Mais c'est l'aspect collection, quoi. C'est cool, hein. Allez. Youh, c'est fin. Et ses bras, ils passent. Elle est tellement musclée, quoi. C'est ouf. Oh putain! J'ai flippé, lui! Kouna! Écarte-toi, aïe aïe! Non! Dégage. Ok, faut tirer dessus? Bien sûr que oui! Ok, vise bien. C'est bon. C'est là qu'il faut pas stresser, tu vois. C'est là qu'il faut rester vraiment calme. Eh ben, ça commence bien. Comme tu dis. On commence bien l'épisode, hein. Ah, je peux améliorer mon arme. Super. Impeccable. En plus, c'est une bonne arme, hein. Comme ça, niveau durabilité, elle va vraiment bien nous servir. Bon, allez, pas de second screamer, s'il vous plaît. J'ai eu ma dose. 4 minutes de vidéo, j'ai déjà ma dose. C'est terrible. Yes. Là, on a de l'alcool. Une grande télé. Alors, effectivement, j'ai pu regarder dans le menu du jeu les autres chapitres qu'on a fait précédemment. Et encore une fois, j'ai oublié tellement de trucs, hein, je vous le reconfirme. Hein. Oh, masse de médicaments.
Et si on n'explore pas toutes les zones, il y a beaucoup de médicaments d'ailleurs qu'on ne récupère pas. Et donc, je pense qu'à la fin du jeu, on n'aura pas du tout Ellie et Abby à fond à ce niveau-là. Je pense qu'on n'aura pas toutes les capacités avec elles. Hein. Ce qui est bien dommage. Alors, par ici. 20 de médocs ? Putain, bien. Ça me met à 61, je pense qu'on peut améliorer. Tiens, bon, on va prendre élan. On va débloquer le manuel juste avant. Allez. Est-ce que je peux en prendre un autre ? Non, j'ai que 21 médocs. C'est pas possible. Dommage. Ok. Allez, on continue par là. Oh non. Pas de screamer. May she guide you. Elle a une de ses balafres. Ça par contre, c'est le camp des wolves. Hein. Dans le genre guide à la con. Ces tarés sont vraiment à deux pas de chez nous. Encore des médicaments. Trop cool. Alors, ce que j'aimerais bien avoir aussi, c'est des munitions. Même si, bon, on n'est pas à court. Hein. Pour l'instant, on avait fait le plein avant de partir. On en a jamais suffisamment. Bon, c'est pas comme avec Ellie où justement, là, on est vraiment à court, quoi. Et ça fait du bien, tu vois, de varier justement d'un personnage à un autre. C'est là-bas, je pense. Ça fait du bien de varier d'un personnage à un autre parce que justement, avec Abby, t'as max munitions, elle est costaude. Et avec Ellie, t'es vraiment plutôt dans la débrouillardise, tu vois, dans la réflexion. Oula. Enfin, là aussi, hein, t'es quand même dans la débrouillardise. Hein. Ah, ils sont tapés. Attends, petite bombe. C'est pour vous. On teste. Ah, pour changer un peu. Ah merde, par contre, forcément. Est-ce qu'on peut se faire un silencieux? Eh non, je peux pas. On va devoir se les faire comme ça. Je prends le fusil. Oh, c'est un claqueur. Loupé. Fayesh. Bien joué. Ça arrive. Ok. Hop là. Dommage pour toi, je viens d'améliorer mon arme de corps à corps juste avant. Ils sont tous morts ? C'est fini ? Ouais, c'était le dernier. Je pense que oui. Alors forcément, parfois je loupe ma cible, hein. Ça m'arrivera toujours. Mais il faut dire qu'on n'a pas amélioré vraiment beaucoup les armes de Abby. Hein. Ce délit, ouais, ça va beaucoup mieux. On sent qu'on est plus stable, qu'on a une meilleure précision et tout, mais... Pourquoi j'ai mis pas ma lampe torche, moi ? C'est vrai qu'avec Abby, pour l'instant, c'est un peu limité. Hein. Ceci étant dit, elle est peut-être meilleure tireur de base. Bon, quoique, quand on a tiré sur les cibles, on n'a pas été très fort. Hein. Pour le coup, je me suis foutu dedans, vraiment. Là, on a tout récupéré. C'est juste qu'en fait, j'ai tiré sur les cibles qui étaient à côté. Mais à quel moment, tu vois, t'as des cibles? À quel moment tu tires sur les cibles des autres couloirs? Non, mais sérieusement. C'était n'importe quoi. Ah, je te jure, quoi. Parce que je pense que j'ai pas marqué de points en tirant sur les cibles d'à côté. Hein. C'est sûr. Ah, il y a une porte là aussi, c'est pour revenir. Ok, dans le salon. Et je m'en suis un petit peu voulu. C'est vrai, parce que je n'aime pas perdre. Hein. Clairement. On a récupéré des boubous, des boulons. Alcool. Merci bien. On fait le tour. Ah, j'ai cru que ma lampe torche allait être à courte batterie. Finalement, non. Mais écoutez, je pense que c'est bon. Hein. Ça brillait pas, là? Non. Je pensais que ça brillait, que j'avais oublié un objet. Pas du tout. C'est sympa par ici. Bon, là, on risque pas de se tromper. Toujours, ne l'oubliez pas, suivre le soleil. En fait, c'est notre boussole, quoi, aujourd'hui. Donc, le chemin principal serait par là? Je sais pas. Attends. De toute façon, on va essayer d'aller vers les deux. Après, s'il s'enclenche une cinématique et que je peux pas revenir en arrière, je vais avoir les boules, mais écoutez... on fera avec. On peut pas aller plus loin, là? Non, y a rien d'autre, hein, c'est un cul-de-sac. Hein. Donc c'était plutôt de l'autre côté, on a récupéré juste un peu d'alcool. C'est mieux que rien, tu me diras. On va faire les boutiques.
Allez. Pas trop vite en besogne. Prends ton temps. Tes abonnés t'en voudront pas. De récupérer un maximum de médicaments. Oui. Oh. Alors attends. 53, bah, je pense qu'on peut booster quelque chose. Kit médicaux amélioré. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Alors, on l'a déjà avec Ellie, hein, cette amélioration. C'est important de l'avoir avec, avec n'importe quel personnage qu'on peut contrôler dans le jeu. Hein. Parce que les kits médicaux, quand tu ne reprends que la moitié de ta vie, t'as un petit peu les boules alors que tu pourrais reprendre beaucoup plus. Attends, d'ailleurs, je vais recharger mes armes, tu me fais penser. Pour l'instant, on n'a qu'un pistolet et qu'un fusil. Hein. C'est pas très étoffé, je trouve. Ah, pour entrer ici, peut-être. Ça va jamais s'ouvrir. Oh, non. Bah, bien sûr. Nope. Bon, je pense qu'on pourrait... continuer, tu vois, tout droit là, direct, et ne pas fouiller, mais c'est ridicule quoi. Attends, on peut pas se confectionner un truc, peut-être ça, ouais. Non. Silencieux non plus parce qu'il manque du tissu. Il est beau ce mur. Ouais, vraiment stylé. Ah bah tiens. Du tissu. Super. Attends. Ouais. Ah mais non, on est au maxi en fait. Ah non. Peut-être que parce que ça lui faisait confectionner deux objets à la fois, non? C'est pas une histoire comme ça. Attends, il me semble que si on va dessus... Ah ouais, 5 sur 4, donc en fait, tu en fais deux à la fois chaque fois, confectionne deux bombes. Ah ouais, donc quand t'es à 3, faut être à 2 pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir craft. Sinon, tu peux pas... Parce qu'après, ça fait 5 sur 4. C'est la loose. C'est bizarrement fait. Ça veut dire que t'es obligé d'en consommer une. T'es obligé de consommer un tuyau, du moins. Ouais, c'est un peu chelou, mais enfin bon. Ok, hein. On fait avec. Hein. C'est pas vrai. Oula. Oh, foutez-moi la paix, bordel. Ah ouais, il me semblait, et puis en plus c'est des claqueurs, ça. Oh lolo lolo lolo. Attends, je prends le silencieux. Hein. On va y aller en douceur. Où sont-ils? Il est juste ici en plus. On peut tirer de là à la limite. Joli. Salut toi là-bas. Joli. Très bien. Ah par contre t'as plus le silencieux. Oui. Ah c'est bien joué. Il est mort. Ça ouais. C'est fait. Est-ce qu'ils sont deux? Ouais. Deux de moins. Ça c'est fait. Plus que quelques millions. Plus que quelques millions. Elle est con. Ah, on a bien géré, mais fallait vraiment rester couché. Je pense que c'est la meilleure tactique là que j'ai. J'ai choisi de prendre, hein. D'utiliser. Ah, je suis content. On s'en est bien sorti. On a évité de gros ennuis avec ces claqueurs. Parce que c'est toujours très 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 risqué quand il y a ce genre d'ennemis. Même si finalement, ceux que j'aime le moins pour l'instant, enfin c'est pas ceux que j'aime le moins, ceux qui me donnent le plus de difficultés, c'est les rôdeurs. Parce que les rôdeurs, ils te voient. On peut pas les voir, tu sais, avec ta fameuse vision. C'est ceux qui offrent bah, le plus gros challenge, finalement. Ok, c'est en face. Youhou! Accroche-toi. Ah. On va voir ce qu'il y a là-haut. Joli balcon. Des munitions. Il y a une lettre aussi. Ça fait un bail que t'es là, toi. Encore une longue lettre. Prophétesse. Pardonne mon empressement, mais le temps m'est compté. J'espère pouvoir atteindre la porte des martyrs pour te remettre ceci. Veille sur mon enfant, qu'il vive une vie longue et heureuse. Tant des nôtres sont morts depuis que les wolves ont rompu la trêve. Fais que ma famille vive assez longtemps pour récolter le fruit de nos sacrifices. Le monde n'est pas en paix, mais j'ai fait ma part pour y remédier. Tu m'as porté dans la tempête aujourd'hui. Je dois partir que le courant soit calme. Puisses-tu me guider? Si on veut protéger sa famille, vaut mieux pas rejoindre une secte. Ouais, ça fait vraiment secte, hein. Ça, c'est sûr, hein. Oh, la vache. Je suis venu que pour ça. Oh lolo, tu me fais perdre un temps précieux, mon gars. Attends, j'ai un emploi du temps de ministre, moi. Un petit billard. Il y a des billards partout, de toute façon. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Il faudrait que je m'en achète un. Hein. Vous êtes bien gentil, mais... C'est trop long. C'est trop long. Je vais quand même pas tout lire. Non mais oh.
Qu'est-ce que c'est? Un œuf? C'est quoi ça? Oh, mais non! Jack and Daxter! Sérieux? Oh, l'easter egg! Génial! La relique des sages, mais oui! Ah, c'est génial! Oh là 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 là! Faudrait que je me les refasse aussi, les Jack and Daxter. What? Attends! Dégage-toi! Attends, est-ce qu'il y en a d'autres? Enfoiré. Oh, c'est quoi ça, tient? Un nouveau fusil? Mais oui! Parfait. Putain, il m'a fait peur l'autre. Ça peut servir. J'étais encore choqué de mon œuf. C'est ouf. Attends, on va fouiller tout le reste. Hein. De quoi? Attends, y'a du monde derrière moi là? Oh putain! Ok! Où ça? Waouh! Y'en a un autre! Ok! Esquive! C'est fini? Oh lolo! J'ai foutu un beau bordel. Ils m'ont pris par surprise là en même temps. M'a fait flipper oh! Ah ouais, donc on vient récupérer un fusil. Et ça se passe comme ça. Bon, du coup, c'est le fusil de chasse hein, qu'on a eu. Hein. Ça, c'est vache bien. Bah, heureusement que je suis venu explorer. Hein. T'as vu ce que tu loupes quand même? Quand t'explores pas tout. Ça craint. Hein. Et entre les trucs qu'on n'a pas vu, parce que forcément on ne trouve pas tout. Hein. Je pense qu'il y a des recoins vraiment dans chaque chapitre dans le jeu. Hein. C'est terrible. Allez, explosif, munitions, tiens, de fusil de chasse, des liens. Yes. Donne-moi ça. Ça me sera sûrement utile par la suite. Par contre, ce qui est toujours un petit peu chiant, c'est que regardez, faut changer. Alors qu'avec Ellie, on avait eu un truc en plus pour pouvoir. Justement les prendre plus rapidement. Là pour l'instant on n'a pas. Bah, si je vais pouvoir sortir. Ah d'accord, ça nous ramène de l'autre côté. Hey, hey. Donc c'est ici qu'on était rentré hein. Ouais, avec le joli mur au fond. Eh ben écoute, on va continuer. Bah ouais. Recharge ton arme tant que t'y es. Est-ce que tu peux te mettre un silencieux? Non, il me manque du tissu encore une fois. Là, je peux pas faire une autre bombe. Niveau médoc, on est qu'à 3, donc ouais, on risque pas pour l'instant d'améliorer les autres capacités. Y'avait pas un passage là? Attends, parce que. Non, on peut pas y monter dessus. Soyons attentifs. Hein. Soyons attentifs. Ça fait un moment aussi qu'on n'a pas vu de coffre. Enfin, depuis le début de l'épisode, quoi. La porte des martyrs. Votre rêve est morte, mais ça ne vous empêche pas de revenir ici sans arrêt. C'est stylé. Encore une petite lettre. Hein. Prophétesse, je demande peut-être l'impossible, mais je dois essayer. Fais don au Wolf de ta clairvoyance, de ta sagesse, de ton amour, afin qu'il renonce à leur quête égoïste et dépose des armes. Puisses-tu apporter la paix dans ce monde? Tu veux la paix? Facile, reste sur ton île. C'est pas faux. Bon, après, ce ne sont pas les seuls coupables, ma grande. Faut être deux pour faire la guerre. Attends. Si là, il n'y a pas de matos, tu... Là-dedans, on peut pas y aller. Non. Pas du tout. Je vais vérifier là-bas aussi. De petits papillons. Dis-moi par contre, il n'y a pas des petites statuettes à péter comme dans Resident Evil? Bah non, sinon il nous l'aurait expliqué. Hein. Oh là là! Isaac. Putain, t'as transformé une folle en martyr. Bah bravo. Ah. Super. Peut-être que ça s'enchaîne avec le fusil. Et grâce à ça, on va pouvoir... ouais, équipe. Avec ça, on va peut-être pouvoir sélectionner plus rapidement les fusils. Étui d'armes longues. Exactement. C'est ce que je voulais. Ça, par contre, ça fait plaisir. Très, très, très plaisir. Putain, heureusement que j'ai exploré, hein, sinon j'aurais loupé le fusil. Ouf. Alors attends, mon arme par contre, j'en ai une qui est pas mal. Est-ce qu'on l'échange à ton avis? Est-ce qu'on peut l'améliorer celle-là? Ouais.
Non, 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 sûrement pas. Sûrement pas, il me reste 3 de durabilité. Ouais, on va la garder. On va la garder parce que bon, vu qu'elle est améliorée, je pense que ça vaut le coup. Après, ça peut se discuter. Attends, je suis passé par au-dessus. Hop là. D'ailleurs, attends, on peut pas monter là-haut aussi. Ouais. D'accord. Youhou. Qu'est-ce que c'est beau cette zone. J'aime beaucoup. Ah, pour le coup, c'est plus chaud, hein, que quand on était avec Kelly sous la pluie, dans la neige. C'est bien, ça change. Attends. Il fait de plus en plus sombre. Waouh. Super. Évidemment. Fallait que je me loupe. On peut y aller là-haut. Voilà. Je préfère. Un tuyau. Non, non, c'est pas mieux. Hein. Des munitions, mais là on est à fond. C'est vrai que je les ai pas utilisés. Pour l'instant, on n'a pas essayé ce fusil. Hein. Par contre, c'est que 2 cartouches à la fois, hein, dans le chargeur. Oula, j'ai pas sauté bien droit. C'est que 2 cartouches à la fois, donc il va falloir recharger vraiment souvent. C'est sûrement un peu le défaut de cette arme, quoi. Oh bah tiens, d'accord. Il y a un carré ouvert. Oula, j'entends un bruit. Oh, un infecté. Oula. Ils se font buter. Ah d'accord. Des humains là-haut. C'est Raphit. Ok. Je les vois arriver. Attends, on va essayer d'aller dans le bâtiment. Je pense qu'il n'y a personne ici dans le bâtiment. Monte à l'étage. Monte à l'étage tant que tu y es. Repasse sur le fusil classique. T'as bien rechargé. Ouais, ça a l'air cool. Est-ce que t'as ton silencieux? Je peux pas m'en faire un. Ah là, c'est embêtant par contre. Et en plus, j'ai pas de piège. Ça aurait été bien que j'ai. Ouais. Ça aurait été pas mal. Ils arrivent en face là-bas. Ça aurait été pas mal qu'on ait des bombes, tu sais, comme Ellie. Des sortes de mines, quoi. Zut. Comment ils me voient, au juste? Comment ils me voient? Ils sont où? Il y en a par là? Ben non. Ils sont en face? Je pense qu'ils sont en face. On va essayer de les éviter. On les attend gentiment. Ouais, je pense qu'ils devraient débarquer. Hein. Là, j'en vois que 2. Mais je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Le fait de ne pas avoir de silencieux, ça, c'est très très chiant. Ok. Non, compliqué. Ok, je l'ai eu. Comment ça? J'étais dessus. Ah d'accord, je vois. Mais comment? What? Ah mais non, mais ça me tire de derrière. Oh. Dégage. Putain, je suis bien touché déjà là. Hein. Il m'a chargé celui-là. Hein. Il m'a chargé l'enfoiré. Attention, reprends de la vie, tiens. Oh, c'est tendu. Le problème, c'est qu'il y a un fusil de précision, je crois, un peu plus loin. J'ai entendu monde par là, ok. Viens, mon petit, viens me voir. Attends, je reprends le fusil de chasse. Mm-hmm. Mais quel con. Ok. Allez. Faut faire attention parce que voilà, j'ai pas envie de traverser là la pièce. Parce que je sais qu'il y a un gars qui est équipé avec avec un fusil de sniper, quoi. Faut pas faire n'importe quoi, hein. Allez, pense à recharger. Pense à bien recharger. On est plutôt bien planqué dans le coin là, je pense. Oula. Ok. Tu viens? Oulolo, ils sont 2 là. Ok. Il y en a un qui va me prendre par la droite. D'accord, je vois. Il y en a un qui va me... essayer de me trouver par là. C'est chaud, hein. Attends. Dodo. Et un petit dernier de ce côté. Bon,
charge. Ouh. Ok. C'est bon. On va bien pour l'instant. Oh tiens. Des gros nazes. Attends, mais je reste en haut, moi je suis très bien là-haut. Hein. Bon, est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'ils sont tous venus? Je suis pas serein. J'essaie de courir un petit peu partout. Non, non, j'entends du bruit. C'est pas fini. Recharge, il me reste que deux munitions de fusil de chasse. Il passe où? Coquinou. Oula. Il doit être dans le coin. Il doit être dans le coin, mais je sais pas où. J'ai l'impression qu'il hésite. Par où je vais passer pour la déloger? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement où il est. Je risque de me faire surprendre. Ça, c'est hyper frustrant. Tiens, attends, je vais fouiller un petit peu, j'en profite. Hein. Yes, des liens. Oh bah tiens, impeccable. C'est gentil ça. Wouh! Ah, c'est pas fini apparemment. Je l'ai eu limite hein, parce que je le voyais plus vraiment. Il me semblait que sa tête était, était par là. On va avancer. Non, apparemment on me repère encore. C'est incroyable, ils sont combien? Ah, c'est la première fois qu'on a une séquence aussi longue, hein, je pense. Incroyable. C'est pas fini, apparemment. Attends, je prends le fusil de chasse, si jamais j'ai quelqu'un qui est proche. Sait-on jamais. Il n'y a pas quelqu'un là-haut, remarque. Ouais, non. Je sais pas qui d'autre peut me voir. C'est très chiant. Bon bah attends, je vais fouiller la zone. Hein. Si on en croise un petit dernier, on se le fera dans la foulée, mais là... C'est pas vrai, il est où? Alors on entend hein, qu'il reste quelqu'un, mais... Je sais pas où. Bon allez, repère-moi, s'il te plaît, je me montre. Je suis sympa comme, comme fille en plus. Hein. Je facilite un peu la vie. Alors là j'avais fouillé, on avait trouvé du tissu et tout. Bon t'es où? Je cours partout. Qu'est-ce qu'il est naze. Il a même pas me trouver alors que je suis complètement à découvert. J'avais ma lampe torche allumée et tout. Où est-ce que tu te planques? Ah mais je dirais dans ce bâtiment moi c'est sûr. Ah non, j'entends du bruit là. J'entends du bruit vraiment proche. Ouais? Non? Putain. Je dois avoir un problème auditif, moi, quand même. On va aller voir dans ce bâtiment, là-bas. Il y a forcément un truc par là. Eh oh! Il y a quelqu'un? Ça siffle! Ah! J'entends pas ici. Est-ce qu'ils sont à l'étage? Ah, ok. Enfin. Enfin, j'ai quelque chose. Ah, d'accord. Il est juste en face. Pour passer loin de la catastrophe. Viens, petit. On va essayer de garder un petit peu de munitions quand même. Allez. On va se le faire gentiment à main nue. Hop là. Tu ne siffleras plus. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Très très bien. Je prends tout ça. Mm-hmm.
On va monter. Il y a sûrement du monde là-haut. À tous les coups. Ah, il m'attend en plus. Petit coquin. Oh, il y en a en bas. Je l'avais pas vu. Ah, lui, par contre, le problème, c'est qu'il me regarde vraiment, quoi. Ah non, nice. Regarde. Ok. C'est pareil, hein, ça se trouve, c'est une zone qu'on pourrait passer sans combattre. Juste en infiltration, tu vois, mais... Juste pas envie, quoi. Ça me correspond pas. Il arrive. Il monte. Parfait. On dirait que c'est synchronisé, quoi. C'est incroyable. Mais arrête d'appeler à l'aide. T'es pas assez grand comme ça. Allez. Salut! Voilà. Ah, c'est une demoiselle. Hop. Je sais pas si c'est fini. Okay. Y a forcément un moyen de passer. Je pense que c'est fini. Si elle a dit ça. Allez, on va fouiller un petit peu. Hein. Parce que bon, le fait de tuer tout le monde, ça permet de fouiller. Refais-toi un silencieux. On est pas mal. Dis-moi par contre, est-ce que c'est notre arme... Ah bah non, quand elle est pétée, notre arme, elle est pétée. On peut pas re-l'améliorer quand elle est explosée. Je pense pas. Hein. Écoutez, c'était bien sympa cette zone. C'est un peu compliqué parce que je savais pas où il était l'autre, là, le dernier. Enfin, les derniers. Le dernier, les derniers, justement. Parce que bon, il y en a plusieurs ici. C'est une zone qui est assez vaste. Allez. On peut encore monter? Ouais. T'es sûr que c'est fini? Je suis pas sûr de moi non plus. Hein. On fait un peu gaffe. D'accord. Rien par là. Allez. Le soleil. On le suit de soleil. On est dans la bonne direction. Merde. J'espère qu'Owen a pris une autre route. Carrément. Où es-tu, mon petit Owen? Je prends des risques pour toi. Munitions, j'en ai utilisé beaucoup, donc ça fait du bien. Tissu. C'est quoi ça? Ah, c'est une lampe. C'est quoi tout ça? Un établi. Un camp de Scar. Un camp de Scar. Il y a une lettre. Encore. Kabel. Ton c'est père Ezra. Mignon. Juste un peu tordu, quoi. Pas étonnant. De toute façon, vous êtes tous tordus dans ce jeu. Allez, on va essayer d'améliorer les armes. Ça fait un moment hein, que je veux tomber dessus. Alors, on va améliorer, tiens, bah, le fusil de chasse. Vu qu'on vient de l'avoir. Et il est vachement utile, hein, vraiment. Hein. Ça fait un peu office, de toute façon, de fusil à pompe. Hein. Au combat rapproché. Alors, qu'est-ce qu'on a? Stabilité. Ouais, on va améliorer la stabilité. Pour bien commencer. Et je pense pas qu'on aura de quoi améliorer autre chose. Mais on va quand même vérifier. Allez, nettoie bien. Fais ce qu'il faut. Bah si, attends, s'il nous reste... Non. Si, on peut améliorer la vitesse de rechargement aussi. Eh bah allez. C'est vrai qu'en plus, vu qu'on a que 2 balles dans le réservoir, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Plus 35% de vitesse de rechargement. Super ça. C'est vachement bien quand même hein, ce qu'ils ont fait pour les établis. Hein. On n'avait pas ça dans le premier. Hein. Ça donne un petit côté, tu vois, réaliste en plus. Ça passe bien. Ça va bien avec le genre. Avec le genre de jeu. Niveau munitions, on est bon. On peut continuer à avancer. Là j'ai fouillé avant hein. Non. J'ai mal fouillé. Regarde. Ciseaux.
Bien fait de revenir. Et en dessous, là, on peut pas y aller. Attends. C'est pas d'où on vient, en fait. Non, on vient de là. Je crois qu'on vient de là, hein. Ou pas. Observez. Te voilà. Ah, la grande roue. Faut juste que je descende dans la rue. Ouais, si, il me semble qu'on vient de là. Allez, ça peut le faire. J'ai rien dit. Ah, tiens. Regarde. Espèce de taré. T'avais idée de ce que t'allais déclencher. Oula. Petite glissade. Ils aiment bien aussi le faire dans les Uncharted. Donc ils le remettent ici, hein. Normal. Un rat. Et pas que dans les Uncharted, hein. Dans les Tomb Raider et autres jeux du même style. Le soleil. Nous allons droit vers la grande roue. On va rejoindre notre bien-aimé. Oula. Merde. Cet endroit est plus semblable à descendre, mais ça conviendra. Oh là 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 là. Ça va être compliqué encore. Là, on devrait peut-être passer sans faire un bruit. Hein. Oh, j'ai trop peur de me faire repérer en vrai. Ouais, elles serviront d'exemple aux autres. Ah, très bien. Même pas besoin de. D'accord. Merde, elle l'a vu. Ça venait de là derrière. Aïe, merde, merde, merde. Oui, bien visé. Attention, on va devoir se planquer là. On va devoir se planquer. Est-ce que ça va arriver? C'est sûr. Pas de munitions? Ah, vous êtes pas cool. Je vais rester ici, hein, je vais les attendre. Parce que je pense qu'ils vont monter. Ou pas? J'arrive pas à faire en infiltration. C'est pas mon truc en fait. Quand il y a des ennemis, je me sens obligé de tout tuer quoi en fait. Pour être tranquille. Et fouiller la zone. J'aime pas, je me sens tendu s'il y a du monde. En même temps, c'est logique, hein. Salut toi, il est juste en dessous. Il va pas me voir celui de là-bas? Allez, tente. Yes. Salut. Allez. Non. Non. Allez. C'est super bien géré. Il y en a un de ce côté. Prends les munitions. Waouh. Ah d'accord, j'en ai deux en face, je crois. Oh, il y en a partout. C'est ouf. Lui, il arrive par là. Attends, on va se le faire. Salut. Mais, putain. Pourquoi? Oh merde. Wow. Ça craint. Ok. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Sincèrement. Attends, lui, on va contourner. Tiens, je vais le prendre par en haut. Je peux le prendre par en haut. Pas une stratégie à faire comme ça. Oh, what? Elle nous a même pas vu. Elle nous a pas vu. Énorme. Je l'ai pas vu, elle m'a pas vu. Ça, c'est impressionnant quand même. Attends, avec un peu de chance. Ouais. Salut toi. Allez. Ouh. Cette jouissance. Ok, ça arrive là. Trois balles. C'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, je consomme trop de balles. Ah, par contre on m'a vu. Ça pouvait pas bien se passer jusqu'au bout. Attends. Ok, là-bas. Mais non. Mais non. Mais non. C'est une blague. Ah d'accord, on reprend pas depuis le début. Ah ça va, tu me rassures. Mais... N'importe quoi, sérieux. Allez, bon, on fait la même chose, hein.
Oh, la chute! La chute non maîtrisée, hein. Terrible image. Je sais pas si on va descendre. Hein. On reste au sol maintenant. Vaut mieux rester au sol. Mon dieu. Surtout qu'il en reste plus beaucoup, je crois. Ok. Toi, je te vois. Salut! Il y en a un juste derrière, non? Attention, j'en ai deux là-haut. Allez, descendre aussi. Ok. Pour vous! Ok. Amenez-vous! Ah bah il s'abène, il m'écoute. Une banane. Aïe aïe aïe! Derrière moi! Bouge! J'ai plus que deux munes hein, par contre. Il est à l'étage, hein? Ouais, d'accord. Je vais remonter. Je crois qu'il est à l'étage. Petit cochon. Enfin, à l'étage ou même plus loin. Attends. Prendre la vie. J'utilise pas un kit hein, tant que c'est pas obligatoire. Hein. Tiens, je vais prendre ça. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Yes. Je vais me refaire également des tuyaux explosifs. Voilà, là j'ai pu m'en faire deux en plus. Go! Ouh! Attends. Ça dégage. Derrière moi! Ok. Je contrôle. Je voyais bouger là-bas, je me suis dit c'est quoi? Ok, il est en bas. Il y en a un aussi ici. Ouais, montre-toi, Coco. Tu m'as vu? Comment ça, tu m'as vu? Je ressaute pas ici, hein. Non, non. Je ressaute pas ici. Ok, il est en bas. Là, on pourra peut-être y aller. Non, non, mais je ressaute plus. Je refuse. Je refuse de sauter. On est passé de l'autre côté. Je pense que c'est là en plus où il faut venir. Ok, on va descendre par là. Gentiment. Attends, je descends. Lui il monte, moi je descends. C'est terrible. Ok. C'est bon, on a fait le ménage? Je pense que oui, hein. Ouais. Allez, on peut fouiller. Ouh. Je pense que c'est réglé, hein. C'était long encore. C'était long. Mais c'était propre. Enfin, propre. On va oublier, bien sûr, le petit saut inopportun. Petit saut ridicule. Petit peu de tissu. On peut remonter par là, ouais. On peut remonter. Bah, je sais pas exactement où c'est qu'il faut aller, donc... on va essayer de suivre notre logique. Le soleil. Ah oui, c'est vrai. Le soleil. Toujours penser soleil. Et la grande roue, hein, de toute façon. Hein. Donc le soleil, il me dit d'aller là-bas. Wouhou! Faut juste que je descende dans la rue. Oh, attention, en face! Oh, t'es gentil, mais regarde. Ah putain, on les voit en plus. Attends. Ouais, t'es fou. Prends toi. Ils sont que deux? Bon, s'ils sont que deux, ça va. Allez. Non, il y en a aussi là-bas. Mais c'est de blague, je pense avoir tué tout le monde. C'est pas vrai. Attendez, mais on n'a pas fait le ménage ici? Mais ils sont ouf. Je sais même pas si je peux remonter en plus. Ok. Ah. Pas mort. Toujours pas. Là il est mort. Ok.
Et lui là qui était... Ouais, il reste toujours là, hein. Bon, tant pis, on va pas le terminer, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, hein, de tout. Oh ! Il y en a d'autres ? Mais non ! Une grosse arme. Allez ! Tu sais pas qui je suis ! Mac Tyson, représente ! Attrape-la ! Elle est costaude, mais pas à ce point. Owen ! Owen ! Salut. Salut. Est-ce que tout va bien ? Ouais. Peut-être que je tombe mal ? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf ? Une mission en vue ? Si on veut. Si on veut ? Tu sais quoi ? Ici, on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants. Owen. C'est quand la dernière fois que t'es venu ? Regarde-moi ça, et admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait ? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lianes, j'ai repas. Une seconde. Alice est ici ? En balade avec Mel. Un peu la secouée. D'accord. Ah, t'as les yeux qui ressortent. Tout va bien pour vous ? La vie de couple et tout ? Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire. Un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Ah, tu sens qu'il y a encore un truc, hein. Ah ouais, il y a quelque chose avec Owen. Ok, alors... Le truc, c'est que Owen, en plus, il a été tué, hein. Après. Elle va l'avoir encore plus mauvaise. Oh. Tu peins par-dessus la fresque de Max ? Non, je la peaufine. T'as fait beaucoup de progrès depuis tes graffitis de Luciole. Hé, tu sais qu'une Luciole est arrivée le mois dernier ? Une ex-Luciole. Elle aussi, elle a entendu parler d'un rassemblement à Santa Barbara. Et elle a des preuves pour confirmer cette rumeur ? Non. Étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, dis-moi ? C'est bien beau, on est dans l'aquarium, c'est joli et tout. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, interagir. Ça a l'air... compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences ? Pas loin. Je fais de l'agneau de luxe. Si t'es gentil, je t'en donnerai. Quelle chance. Ah, une cible. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc ? C'est peut-être toi. T'es drôle. Ah bah surtout, il y en a partout, alors bon... On peut que penser ça, hein. Bon, on fait quoi d'autre, hein ? Non, c'est... exotique. T'as trouvé ça où ? Tu vois le magasin avec les décorations de fête ? Ça m'a pris pas mal de temps de rapporter tout ça. Ah ouais. Bah tiens, un arc. Il doit bien s'amuser avec. Ah, ça explique la cible. Ouais, Mel et moi... On se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi ? Ok. Tu vois les cibles ? Ouais.
Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Allez, c'est parti. Par contre, il y a combien de cibles en tout? Quoi? Allez, c'est rien. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Touché. Edine. Ouais, je suis fier de toi. 2. 3. Oh, pas mal. Et vraiment se rapprocher pour être sûr. C'est combien le chrono par contre? Putain de merde. 5. J'en ai une là. C'est la moitié, Abby. Ouais. Les autres. Là-haut. Et cette cible, non, elle compte? Je pense pas. Les autres cibles sont où? Attends, faut monter? C'est peut-être à l'étage. Hein. Mais non! Elles sont pas là, les cibles. Ah, je suis deg. Ah, le truc, c'est qu'il aurait fallu les repérer avant. Toutes. Ah, mais t'es gentil, mais... Ah, d'accord, je mets une là. Touché. Ici. Oh, je me passe. Ok, suivant. Là. Une dernière. Une dernière. C'est bon. Putain, elle est où? Elle est où, ta cible? Ah, je rage. Elle est où ta foutue cible? 5. Ah, ça m'énerve. 4. Ah, ça m'énerve. 2. Je la vois pas, sa cible. Elle était où? J'ai réussi. Du premier coup. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial. Elle est super forte. Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. Peur que Mel découvre que j'étais ici? Non, elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok, calme-toi. Bon, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. C'est encore mieux que ça. Viens. Mais non, il était là. Je suis monté en plus, mais je l'ai pas vu. Ah, c'est pas vrai. Avouez que d'en bas, c'est pas évident à voir, hein, sans déconner. Ah, je suis dégoûté. Bon, j'ai eu 10 quand même. Après toi. Et donc j'aurais pu avoir 11. C'est quoi tout ça? C'est festif. Et t'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Et maintenant, goûte-moi ça. Alors? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors... Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Eh ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi, la chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se lève... J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe.
Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ses nouvelles récemment ? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord ? Tu l'as dit aux autres ? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hé. Hey. Je peux compter sur ton aide, pas vrai ? Bien sûr. Libère, allez. Ainsi, ils pourront connaître. Non. Yara. Où se trouve l'autre infidèle ? Brisez-lui les ailes. Ah!
Yara. Les démons arrivent. Fais-la descendre. Mais c'est une des leurs. Lève ! Faites gaffe. La vache. Attention. Des rôdeurs. Skip. Oh la vache. Et on a plus de jauge de vie là. Attention. Esquive. Faut esquiver toutes les 5 secondes. Ah mais c'est immonde. Enfin on gère les deux en plus, laisse tomber. Derrière toi. Oh là là. Bon, allez, on doit partir d'ici. Vous allez où comme ça? Faut sortir de ces bois. Faut y aller. Maintenant. Ok. On y va. J'ai retrouvé ma jauge de vie. La côte est par ici. C'est incroyable cette séquence, hein. Oh, la violence avec le marteau, quoi. Je vois plus rien. Attends, il faut que je suive. Je reste avec eux. Sinon, on est très mal. Ah, ça me poursuit derrière. Ok, devant aussi. Non. Oh, le coup de genou. Coup de genou incroyable. Bouteille. Attention derrière moi. Ah d'accord, ouais, effectivement. J'ai fait une bouteille. Tiens. Retrouve les patates de fourra. Attaque Hitler. Vous m'arrêterez pas. Tiens. Oula. Allez. Plaquage. Vous allez bien? Ouais. Il faut partir avant que d'autres n'arrivent. Toutes les directions se ressemblent. T'es sûr que c'est par là? C'est forcément par là. Qu'est-ce que je fais? J'entends encore du bruit, hein. Oh, il y en a partout, les rôdeurs. Cours, cours, cours! Je te fais pas choper derrière, te fais pas choper. Let's go, let's go, let's go! Non? On est bloqué? Ah non, faut y aller! Vite! Ils sont morts depuis peu. Il y a un autre chemin? Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Attends, il y a du soin, je crois. J'en ai besoin que d'un. Et maintenant? Allez, lève! Occupe-t'en, c'est toi. Poussez-vous, les filles. Musclor est là. Allez-y. Ah, je suis là. Oh non. Bordel. What the? Ah ouais. Tu sais que c'est pas beau de piquer le sac d'une dame. Oui. Esquive trop tôt. Bah, c'est vrai qu'elle est lourde son arme. Ouf. Non. Ah, elle est costaude celle-là encore, hein. Pour la griffure. Wesh. Pour
ta gueule. Aïe aïe. Ouh, ouh, ouh. Ça fait mal ça. Allez, attaque. Tiens. Forte. Waouh. Allez. Me défoule. Explose ton crâne. C'est bon. Ça va, vous ? Oui. Et j'ai enfin récupéré une arme. Ça va déjà mieux. Tiens. Je prends aussi le corps à corps. Quoique non, je suis mieux équipé avec ça, je pense. Je vais faire garder ça. Quelle séquence, hein, les amis. Quelle séquence d'une violence extrême. J'ai eu vraiment mal avec le marteau. Hein. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Franchement, c'était dingue. Et là, ça devient vraiment sérieux. Là, ça devient vraiment, vraiment très noir. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu. Dites-moi, est-ce qu'il vous a choqué un petit peu? Parce que franchement, j'ai l'impression que plus on se rapproche de la fin, plus c'est violent. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Merci à tous. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.